T'as-tu parlé à Laurence? Je sais pas pourquoi je devrais reparler, là, la dernière fois, elle m'a carrément insulté. Anyways. Ouais. Toi, t'as-tu reparlé à... Comment il s'appelle déjà? T'as un mur complet de ses ailes, il y a un nom bizarre. Edgar! Edgar Mogleux. Ah non, il va pas apprécier. Je pense que je vais paraître trop amateur pour lui. Mais tu sais, Laurence, elle, est allée à son exposition. Ils se sont jasés un peu, puis ils ont échangé leur numéro. Il est si antisociable, je crois que t'as des chances. Ben, c'est soit je prends ma crédibilité ou soit je m'améliore. Ouais. Tu devinerais jamais ce que j'ai fait pour toi. À part me réveiller, non. Tu vas capoter, je t'ai dit. En vrai. T'es prêt? Ouais, go. Capote pas, là. Non, c'est correct, là. Fais juste me le dire qu'on en finisse. Oh my god. Tu sais, ton Edgar, Edgar Mogleux. Ouais. Il vient. Il vient où? À ton vernissage. Ben là, je suis pas prêt. T'attends quoi? L'inspiration. Ah. C'est simplet. Simple et laid. On dirait une imitation pseudo-manquée, teintée de survanité, de manque de préparation puis d'originalité. Les lignes directrices sont affreusement orientées, les tons chauds manquent de fraîcheur. C'est la représentation parfaite d'Edgar. Il s'est planté. Les toiles sont moches. Qu'est-ce que je fais ici? Et puis, comment vous, toi, tu? Vous? Alors, comment vous trouvez? Si tu veux imiter, fais en sorte que ça ait de l'allure.